Mais là, attends, elles sont toutes admiratrices, hein, c'est incroyable. Ils n'ont jamais vu une vache qui portait. Léo, il est habitué un peu à tout, il est habitué aux foules, il est habitué au bruit, aux trottinettes, aux vélos. Le seul truc qui lui déplaît, c'est les fanfares. Alors dès qu'il y a des tambours, des cymbales, ça, il déteste, et puis là, il va un bout plus loin, il veut vraiment partir. Mais sinon, en dehors des fanfares, il n'y a pas grand-chose qui lui déplaît, finalement. J'ai jamais pu toucher un c'est vrai. Un bœuf comme ça. Ouais. Tous ceux que je m'en suis occupé étaient quand même un petit peu plus. Farouche. Farouche. Ouais. Ouais, lui, l'habitude, il aime bien. Allez, oui. Ah, oui. T'as touché? Léo, calme-toi un peu. Ça lui est un peu stressé. Ouais. Non, ça joue, l'habitude. Ça. Quand je voyageais seul, personne ne faisait attention à moi. C'est comme ça. Et c'est étonnant parce que si Léo est seul, personne ne fait vraiment attention à lui dans un pré, mais c'est quand on interagit vraiment ensemble, qu'on travaille ensemble, que tout d'un coup, les deux, on apparaît. Léo, j'ai eu, quand il avait un mois, il me buvait encore du lait, je me nourrissais au biberon deux fois par jour. On a commencé tout de suite à travailler ensemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, on a fait un petit peu la découverte autour de la ferme, il a vu les cochons, les autres animaux, les vaches. Et ensuite, on a fait des randonnées de plus en plus longues. Et puis après, j'ai considéré qu'il était capable de tout faire, en fait. Avec Léo, on se déplace pour transporter et vendre de la bière artisanale. On va un petit peu partout en Suisse romande, en particulier dans les marchés hebdomadaires. On fait jusqu'à 8 heures de marche par jour, facilement 25 km suivant les circonstances. Aujourd'hui, on se rend à Sushi, où il y a un agriculteur qui s'intéresse à remettre en culture des anciennes variétés d'orge. Et là, il a une variété d'orge qui est bleue. On va voir à quoi ça ressemble. Salut! Salut Gaëtan! Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais. Il y a Léo qui a mangé de l'herbe. Ah, oh, il a fait bonne route?
Il a faim, il mange du bon trèfle. Hein. Ouais, ouais, c'est la meilleure herbe, ça. Ouais, l'herbe suffit du plein. C'est tendre, le trèfle. Ouais. Alors, donc, ça, c'est toi qui cultives ici, c'est voilà, ces terres-là. C'est mes terres. Et puis, ici, ces terres, c'est particulier parce que c'est là qu'on fait toute la production de semences. D'accord. C'est là qu'on va tester toutes les anciennes variétés, toutes les variétés qui ne se trouvent pas sur le marché, quand on veut sélectionner pour le moulin et pour une clientèle particulière. Cette machine-là, je l'ai trouvée par chance. Quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, mais ça, c'est un trésor, parce qu'il y avait encore toutes les grilles, et on peut trier plein de graines différentes avec ça. Alors voilà ce que tu viens chercher. Ah bah ouais, donc on a trié, c'est d'or. Pourpre. Pourpre. Mais c'est vrai que la couleur est magnifique. Oui. Hein, et là, tu sais d'où ça vient, l'origine? L'origine, c'est difficile à trouver. J'ai essayé de chercher sur Internet. Alors, elle s'appelle Arabian Blue. Apparemment, cette orge pourpre est cultivée encore aujourd'hui, d'après ce que je sais, au Tibet. Et là-bas, ils font un plat typique qui s'appelle la tsampa, qui est la farine d'orge grillée. D'accord. Donc je ne sais pas comment c'est fait, j'ai jamais goûté. Ouais. Je ne suis jamais allé au Tibet. Tu as trouvé un Tibétain. Mais voilà. Lui ça, peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui connaît la tsampa. C'est intéressant de voir comment ça, à quoi ça ressemble à une de la bière. C'est génial, c'est... moi je me réjouis de goûter aussi. Ouais. Ça s'appelle faire un tour à la meunière. Ah ouais, d'accord. Un joli sac pour caser facilement la sacoche. Oui, pour les transporter, on est parfait. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, hop. Allez, bien. Bon. Bonne marche. Alors, au plaisir, tout le monde, à bientôt. Puis, à la prochaine, à bientôt. À bientôt, ça. Léo. Ciao, on y va, Léo. Bonne marche. Ah, on y va. Allez, Léo. Ah, on y va. Allez. Allez, c'est Léo. Ah, on y va. Allez, allez, oh. On y va. Ciao, ciao. Quand je me lève le matin, je vois souvent, par exemple, des oiseaux, des buses, des aigles qui partent chasser. Et pour moi, c'est quelque chose de fascinant de voir un animal comme ça se lever et partir au travail, parce que pour lui, c'est un travail. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec, par exemple, l'aube des bouchons d'autoroute. C'est-à-dire que c'est une autre façon de concevoir la vie, et c'est une façon de concevoir la vie qui est grandiose. Hop, 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 hop. Voilà, on s'arrête là, Léo. Comme ça, là, on a pas mal d'herbe. Et là, on a bien. Ça, c'est le jour. Oui, et bon, toi. On se déplace tous les jours avec Léo. Quel que soit le temps, par exemple l'hiver passé, on a marché au moment le plus froid de l'hiver pendant plusieurs jours, quand il y avait la fameuse bise avec des immenses congères, etc.
Et en hiver, mon Léo a des poils extrêmement longs, ce qui fait qu'il est bien protégé contre le froid. Et on a dormi jusqu'à à moins 20. Ça lui pose vraiment aucun problème. C'est important de vivre aussi ces moments à l'extérieur, le froid, le chaud, voire la pluie, le vent, etc. Je pense que de par le fait que l'être humain se soit vraiment découplé de ce monde-là, il a perdu de vue tout un tas de sensations extrêmement importantes. Pour moi, c'est aussi quelque chose d'intéressant de ne pas passer dans la nature, mais d'y être. On voit beaucoup d'animaux. On voit des renards, ou il y a même des fois des chevreuils qui broutent à proximité de Léo. Dès qu'il va venir dormir, il va se rapprocher le plus possible de la tente, parce qu'il aime cette proximité avec la tente, et savoir que je suis là. Lui, il se sent en sécurité comme ça, parce qu'il a toujours travaillé avec moi depuis l'âge d'un mois, et finalement, il a passé plus de temps avec moi qu'avec aucun autre de ses congénères. Donc, je suis un peu la figure rassurante, parce que je suis la personne qu'il connaît, finalement. Donnez-lui un peu d'eau. Ah, pour chasser les mouches. Ah oui. C'est vrai que c'est l'idée, ça. Ouais. Voilà, donc je crois qu'on a juste fait le gros. Ça me fait plaisir de le voir. Je l'ai vu ce matin quand j'étais au magasin. Je vous ai vu passer. C'est vrai, c'est vrai. Oh, j'ai dit, mais ça, c'est joli. J'aimerais bien le revoir. Ouais, alors, il est où, c'est... Ouais. Moi, j'allais promener autour de la ferme. Et puis là, il y avait les bœufs qui travaillaient. Alors, ils étaient à la charrue, deux bœufs, avec le charretier, on appelait ça donc un charretier, le monsieur qui s'occupait comme ça des bœufs. Et puis j'allais vers eux, maman me donnait un bout de pain pour leur donner. Et je leur donnais un bout de pain, puis ils me mettaient sur le dos des bœufs. Ah oui? Pour un tour, comme ça. Et puis j'étais contente. Ça fait quelque chose, hein? Quand on pense que j'étais petite et puis que maintenant, on n'a que les tracteurs qui passent et tout, mais on n'a plus de bœufs. Ouais. Il est beau. Hein, toi? Ah, mais moi, il rumine, donc il est tranquille. Oui, il est tranquille. Ah,
avant, on avait, par exemple, dans un village, une personne qui était le forgeron, une personne qui était le bûcheron, l'agriculteur, etc. Il y avait une reconnaissance de ces gens pour leur travail. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a un petit peu disparu. Avec Léo, on fait un travail où, au niveau local, on est connu pour ce qu'on fait, et les gens savent qui on est, il y a une certaine appréciation de ce qu'on fait. Donc on est revenu finalement un petit peu, à mon sens, du travail à l'ancienne. Pour moi, c'est une valeur importante. Intrigué là. C'est vrai. Oui, en transport, puis en vente, c'est la bière de la Concorde Valorbe. Et on étiquette bière transportable de bœuf, l'exclusivité mondiale. Donc c'est brassé à l'ancienne, biologique, non filtrée. Mais ils sont vraiment bien, ils ont des retours laudatifs par rapport à ça. C'est pas le lait, c'est la bière. Non, mais voilà, celui c'est un bœuf en fait. Il y a déjà plusieurs fois que vous êtes venu là. Oui, ouais, là c'est la troisième fois qu'on passe. Ah bon, parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait là? Moi je vous en prends une aussi. Oui, d'accord. Voilà. Alors. Alors là, la Bourde, par exemple... J'ai pas besoin d'argent, parce que j'ai peu de dépenses, j'ai juste un petit studio, j'ai pas de voiture, j'ai un vélo. C'est un mode de vie modeste, mais c'est vrai que bon, ça m'intéresse pas de voir d'autres objets. C'est vrai que je pense pas que l'acquisition d'objets, en général, rend heureux. Bon courage, alors. Merci. On vous croit souvent. C'est vrai. Bah oui, c'est rigolo en tout cas. C'est vrai, ouais. Ça égaye le paysage. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. J'ai fait une licence de biologie cellulaire et de physiologie. Et j'ai travaillé en tant que journaliste scientifique dans différents cadres, par exemple au sein du CNRS. Et c'est vrai que mon but, c'était de faire du journalisme d'investigation. Et je me suis rendu compte que c'était de plus en plus difficile. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de corruption, finalement, dans ces domaines-là, qui faisait qu'on ne pouvait plus faire un travail que je puisse juger comme étant réellement honnête. J'ai cherché des solutions alternatives pour essayer de sortir de ce système-là. J'ai travaillé avec un bouvier qui faisait tout sur son exploitation avec des bœufs, le labourage, des bardages, etc. Et comme je faisais beaucoup de marches, c'est là que je me suis dit, finalement, comme c'est des animaux qui ont été beaucoup utilisés dans l'Antiquité pour le portage, par exemple les armées romaines transportaient tout leur matériel avec des bœufs, que c'était une opportunité intéressante de revenir à ce mode de transport. Et que les bœufs sont très très bons pour ça. Initialement, j'avais l'idée que quand il y a une relation bouvier-bœuf, comme ça, c'était une relation purement hiérarchique. C'est-à-dire que moi, je prenais les décisions et je les faisais exécuter. Et ce que je vois, c'est que c'est en fait quelque chose de beaucoup plus complexe. Il y a quand même toujours chez lui une liberté qui s'accapare comme ça. Léo, il veut donc aller voir une fontaine, parce qu'il a une passion pour les fontaines, même s'il ne veut pas les boire. Donc là, je le laisse quand même aller voir la fontaine. C'est une relation qui est beaucoup plus riche que ce que j'avais anticipé initialement.
Ici, on a découvert un peu par hasard une carrière qui est du 19e. C'est à partir de 1826 qu'ils l'ont exploité pour générer des fontaines. La plupart des fontaines qu'on voit dans la région proviennent de cette carrière-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il leur fallait jusqu'à une année pour extraire une fontaine. Et ensuite, ils la mettaient sur des rouleaux en chaîne et ils la tiraient avec jusqu'à 25 bœufs. Et alors, il y a peut-être des ancêtres de Léo qui ont travaillé sur ce site. Et Léo va souvent boire dans la fontaine à Croix. Donc, c'est amusant de s'imaginer que peut-être grâce au travail de ses ancêtres, lui peut aller boire actuellement dans une fontaine. C'est assez incroyable les prouesses qu'on peut faire grâce à la collaboration qu'on a eue pendant des siècles avec les animaux. On passe régulièrement avec Léo sur l'exploitation de Louis Guignard à Rance. On est accueilli là-bas, on peut avoir un champ où dormir, on reçoit du foin, etc. Les petits, venez, allons, allons. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à le rencontrer parce qu'il est proche de choses simples, de vraies valeurs, de ce qui se faisait à l'ancienne. Quand ils bricolent, je leur donne des œufs. S'ils ont un peu la diarrhée, ils n'ont qu'un point d'appétit, je leur mets un œuf. Bonjour. Voilà, Christophe. Tu vas bien? Oui, et toi? Oh, extra. T'as bien passé l'été? Oui, oui, oui. Ah bah, bon aussi? Oui, oui, bon, il est super content. Maintenant, ça va être l'hiver. Il a été sage? Oui, oui, il s'est donné de la peine. Là. On était au marché, aux événements. Et puis, alors, il a été super sage. Puis, mais il là... a toujours envie de me corner. Mais c'est parce qu'il est impatient d'aller manger de l'herbe. Je crois que c'est ça. Allez, Léo. Il va faire connaissance avec les veaux. Oui, ils sont curieux. Ils sont curieux, ils sont curieux. Voilà. Oui, ouais, il me rappelle Léo quand il était petit. Ah, ben, il avait la... Quand j'avais dû nourrir son biberon et tout ça, c'est... On va lui donner un petit peu, un petit bonbon. Ah, alors ça va lui plaire. Voilà. Ah, oui, oui. Hop. Tout plaqué dans la vie et puis se promener du bout de la Suisse à l'autre avec un bœuf. Oh, je me suis dit, ben voilà encore un rêveur. Et puis il est revenu, il a repassé plusieurs fois, puis je vois qu'il est vraiment dans son élément, et puis ça attire un peu le monde, je pense qu'il fait du bon travail. Allez. Alors on va attaquer le gâteau. Ah bah aujourd'hui c'est... Bon appétit, hein. Ah oui, alors, mais un grand merci pour ça, ça fait plaisir. C'est normal. Avec un thé, c'est... On l'a bien quelques fois que tu passes chez nous. Ça nous fait plaisir quand tu arrives avec ton bœuf. C'est vrai, ouais. Ah bah c'est sympa, ouais. C'est... Alors, j'ai quelque chose à te montrer qui va t'intéresser. C'est vrai. Ça date, de, je pense, des années 1950. Ouais. Alors, voilà notre voisin avec ses deux bœufs. Ah, ouais. Alors, il y a un jeune Suisse allemand qui mène les bœufs. Ouais. Et puis... Le voisin sème le blé à la volée. Ah oui, d'accord. Non, c'est une belle photo, ça. Ah, ouais, c'est quand même la fin des temps héroïques. Ça, ah voilà, tout à fait. Donc. Les exploitations, là, dans ce temps-là, c'était des exploitations de 5 à 10 hectares. C'est clair. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on arrive à la moyenne du canton de Vaud, parce qu'on est à 40 hectares. Les journées, à l'époque, commençaient à 5 h du matin, puis elles se finissaient guère avant 8-9 h. Ouais.
C'était vraiment quand même ardu. Ouais. Moi, je pense qu'économiquement, on va certainement vers un effondrement, qu'on va vers du pétrole de plus en plus cher, et qu'à un certain point, ça deviendra à nouveau intéressant, en tout cas pour des petites exploitations, de revenir à la traction animale. Et bien, moi, ça m'intéressait de savoir ce que tu en pensais. Je ne vois pas l'avenir comme ça. Ouais, ouais. Il faudra qu'on revienne en arrière avec les antibiotiques, avec les pesticides, avec les fongicides et les herbicides, ça c'est sûr. Mais revenir à travailler avec des bœufs, je pense que c'est presque pas possible. Ça ne fera pas. Non, je pense que c'est pas possible. N'importe qui dirait, si on a un train qui va à 200 km/h, c'est mieux que si on a un train qui va à 100 km/h. Depuis tout petit, on nous dit que c'est bien, c'est le progrès, c'est mieux. Aller plus loin, aller plus vite, pour faire quoi? Moi, j'ai pas compris, en fait. Gaëtan a grandi dans une ferme. Il aimait les animaux, il aimait les chats, les genisses, les moutons. Quand il avait des problèmes, il lui arrivait d'aller en parler avec les moutons. Et c'était rigolo. Mon idée y était, à l'époque, de le protéger du conditionnement, et puis aussi de la religion. Moi, j'ai ressenti un petit peu l'influence culturelle de notre société comme un carcan. Moi, j'avais souci de lui offrir le plus de liberté possible. Mais dès qu'il y a eu l'école, ça s'est restreint. Il y avait des contraintes qu'il a d'ailleurs pas très bien vécues. On s'est demandé si notre façon de faire était juste et si l'enfant pourrait facilement assumer ça, d'être un outsider, alors que l'homme est une bête de troupeau. Je pense beaucoup à lui. Je le suis sur son chemin, en fait. Je veux toujours savoir où il est, ce qu'il a comme projet. Et puis, en pensée, je le suis. Ça m'arrive quand il y a des périodes de pluie et je me dis, il est dans sa tente, sous la pluie. C'est pas évident. Et au printemps, il a fait froid souvent. Je pensais à lui parce que je me disais qu'il avait une vie difficile. Je suis pas mal seul d'un point de vue social, là. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange parce que, ouais, je sais pas,
Bon, j'ai été beaucoup plus intégré socialement dans le passé, et j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose qui me nourrissait beaucoup. Donc, il n'y a pas réellement de prix à payer, hein, j'ai l'impression. Quand on marche avec Léo dans la campagne comme ça, c'est, pour moi, c'est les moments favoris. Donc, finalement, je me sens jamais seul, c'est plutôt le contraire. J'ai plutôt l'impression qu'il y a trop de monde autour de nous, finalement. Pour moi, Léo, c'est, je le considère comme un ami. Je sais ce qu'il pense. Il sait exactement ce que je pense. Il y a une dépendance entre nous, alors même qu'on appartient à des espèces différentes. Il m'a offert une liberté qui est particulière. Moi, je peux avoir un travail que je trouve intéressant et honnête grâce à lui. Et lui, initialement, était prévu pour l'engraissement. Et grâce à ça, il a pu avoir une vie qu'il n'aurait pas eu dans d'autres circonstances. La première fois que Léo allait regarder une des Alpes, il descend de les vaches d'un alpage, il y en avait une centaine, et je ne sais même pas exactement où ils vont. En fait. Léo veut les rejoindre, là, et on voit qu'il les appelle, il est déçu de ne pas aller avec les 100 vaches. Enfin, il y a quelque chose d'instinctif par rapport à ceci, j'imagine. Gaëtan, je suis très attaché à sa personnalité, parce que vu déjà lui, le mal qu'il se donne pour continuer à faire ce qu'il fait, marcher des heures et puis tenir des horaires de fou dans ses journées, voilà, malgré la météo et toutes les difficultés, puis qu'il a toujours le sourire. Je m'appelle Adrien, je suis brasseur à Valorbe. Ça va faire maintenant 3 ans que je brasse la bière. Je suis le seul roman à faire du bio bourgeon. L'idée, c'est pas toujours qu'est-ce qu'on fait, mais c'est comment.
travaillais avec un agriculteur qui cultive en champ d'orge bio dans la région. J'étais là pour quand il a semé le champ, j'étais là pour la moisson. On s'échange un petit peu des trucs de brasseur, des trucs d'agriculteur. C'est génial d'avoir les fournisseurs à deux pas. Quoi. Bon, alors qu'est-ce que tu ramènes? Alors, donc là, on a l'orge pourpre, donc le fameux orge bleu. Et puis on a mis là, et puis voilà. Puis il est en plus emballé d'une façon particulière. Ça c'est fermé à l'ancienne. Rappelez ça, Géo. On se met juste là à droite. Alors. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais ils sont mal bon, mais il a des reflets un peu. Il y a de quoi faire un petit brassin. Ouais, et puis, un petit ben, on va voir ce que ça donne. Ça sera la cuvée Léo. Ouais. Là, t'auras besoin du foin tout à l'heure, là, j'ai deux sacs. Ouais, ben, foin, on va en prendre un, là. Ça peut être une. C'est quoi, c'est pour la route demain, hein, c'est quoi. Gaëtan, j'ai adoré sa démarche, on s'est bien entendu. Et puis lui, il cherchait à faire quelque chose avec son animal. Et puis on a trouvé des moyens de travailler ensemble sur le long terme, donc ça fait une année maintenant. Je te mets trois de chaque. Ouais, c'est l'idéal, comme ça on a un peu un mélange. Alors attends, je vais chercher la deuxième encore. C'est pas toujours évident de voir le livret, ramener du foin, gérer des soucis que j'ai aucune idée, les soucis qu'on peut avoir avec un animal comme ça. Puis moi, je peux pas le lâcher. Je soutiens tous les gens qui se battent pour leurs idées, donc ça, je l'admire pour ça, c'est sûr. Oui, attends, j'arrive, tu vois, au bout du premier coup. Ah, voilà. Attends. Ouais, oui. Ça. On va lui planter un petit pré ici. On va lui organiser un parking pour la prochaine fois. Un parking avec un petit peu de nourriture devant. Comme ça, il peut se restaurer pendant qu'il est parqué. Ça. Allez, on y va. Hop, 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 hop. On y va. Voilà. On y va. Le point commun entre les différentes personnes avec lesquelles je travaille et que je croise pendant mes chemins, c'est qu'ils ont décidé de faire quelque chose qui, à leur sens, a une valeur, mais le but final n'est pas de s'enrichir. Et pour moi, ça montre qu'on a encore aujourd'hui des gens qui font partie de ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine résistance. Elle est un peu gentille. Gaëtan, je l'ai rencontré quand une fois j'étais aux truffes, quand je cavais. Qu'est-ce que c'était? Il du berlu avec son taureau, là, son taurillon. Il était tout jeune. Puis après, il m'a expliqué un peu sa démarche, ce qu'il voulait faire. J'ai trouvé assez magique de faire ce qu'il avait vraiment envie. Bonjour. Bonjour Gaëtan, ça va? Oui. C'était cette montée. Oui. Ouais, donc, allez,
Voilà, livraison. Non, non, Léo, c'est un peu gentil. Ouais, bah, toujours une vue aussi magnifique. Ah ouais, ici, c'est beau, ça, hein. Ça. Ouais, bah, beaucoup d'œil. Le soleil, les nuages et tout ça, c'est ouais. Toujours impressionnant. Ça fait la pluie au montant? Non, non, enfin, un petit peu, bah, ça nous a rafraîchi, ça va juste. D'accord. Parce qu'il y a quand même pas mal... parce qu'il y a pas mal de dénivelé et puis il fait chaud quand on monte. Ouais. C'est... Je peux m'attacher pendant, en fait. Ouais, tu peux à l'arbre, mettre à l'arbre. Ah, génial, on va le mettre... On va le mettre au cerisier, et puis après. Voilà. Bien, Léo. Hop, là, Léo, hop. Alors... Donc, il y en a. Alors, je vais prendre une blanche, et puis on a la brune, et puis. Alors là, on a. On va prendre. Voilà, la blonde. Donc, on a une de chaque, comme ça. Ça marche. Ah, si, il est quand même magnifique, le chalet. Hein, ah, c'est... ouais, alors, ce sont des rares chalets qu'on a en tuiles. Léo, il est pas ferré? Non, alors moi, j'ai jamais ferré, parce que moi, il a des petits sabots, et puis ça sent un petit peu invasif de les mettre à des clous dedans. Mais là, alors quand on a fait la traversée de la Suisse, par exemple, j'ai mis des hypo-sandales, c'est des chaussures comme pour les chevaux. Ouais, les chevaux. Ça lui protège. Moi, je pense qu'il faut être très, très fort dans sa tête pour pouvoir vivre une expérience comme ça. Tu te retires comme un petit peu de la vie réelle. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de rester près de ses convictions. Ça va pas du tout d'être un animal sans foin comme ça, c'est pas possible. Hier soir, il y a eu un petit peu un problème. Moi, j'étais persuadé qu'il y aurait du foin. Et puis, il n'y avait pas de foin pour Léo. Et puis, l'herbe était quand même très, très courte. Et ça m'a inquiété parce que Léo avait faim, mais il ne mangeait pas. C'est un animal de travail. Donc, il a besoin de beaucoup plus de nourriture. Et alors, bon, j'étais tout en souci parce que Léo avait pas reçu son souper. Ça va, Gaïto? Il vient dormir? Oui. Bonjour. Tu as retrouvé le sourire. Ah, oui, il est content d'avoir son déjeuner. C'est, Gaïto était angoissé. Il pensait que son taureau avait passé à manger avec l'herbe de la matoule. Je respecte sa façon d'être et de faire, mais... c'est pas tout à fait la réalité de nos vaches ou du naturel de la bête, quoi. Allez, j'ai dû mettre le foin par terre, j'hésite. Je sais pas si... Ouais, c'est un peu nul. Si j'en ai trouvé ça dérange pas, je pense que tu peux le mettre par terre. Je pense qu'il fait le miroir avec son bœuf. Léo est le miroir de Gaïto. Il a peur que tu lui l'enlèves. Léo, au niveau de la relation que j'ai avec lui, moi j'ai un contrat. Lui, il sait que je dois le protéger, je dois lui donner à manger. Par rapport à l'estime qu'il a de moi, ça a aussi un impact.
Donc c'est, j'entends que ça fait partie de la relation. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la plupart des gens ne saisissent pas. Bouge pas, allez hop, bouge pas. Voilà. Gaëtan, il va jusqu'au bout de sa passion, de son rêve. Après ça, je ne sais pas si c'est toujours un rêve ou si il est pris dans la spirale de sa démarche, quoi. Allez. 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 Voilà. Allez. Dans la bulle que j'ai créée avec Léo, il y a certainement un aspect de fuite. C'est vrai qu'il y a une pression importante dans notre société pour vivre d'une certaine façon. Et on voit que finalement, on peut assez facilement s'extraire et créer son propre monde avec ses propres règles. Autant se faire se peut, j'essaye de résister. Alors bonjour. Salut. Alors voilà la bière. Bonjour Léo. Attendez. Oh, ça a joué. Ça a passé. Ouais, ça a juste passé. Ouais. Bonjour Léo. Ah, il connaît la place. Salut Gaëtan. Ça va, ça... Ouais. Je vais pas oublier. Et puis voilà, ouais, il connaît la place et il se souvient de son endroit. Allez, ah, tu sais où est le foin? Vas-y, non. Bonjour Léo. Il arrive, il y aura une récompense. Allez, viens Léo. Hop, c'est par là. Voilà, hop. Quand il vient, on bouge une table, simplement. Puis on lui prépare sa petite place. Ah, il est content, là. On attend la livraison de bière, mais ça, c'est folklore. C'est pour que tout le monde soit en fait en lien. Le brasseur, le client, le transporteur et le vendeur. Alors voilà, on fait comme ça. Hop. Hop. Oh, le mastier, tu peux. La fougère, non. La fougère, il faut la sauver. Je suis là pour sauver, payer ça. Au grain. Hop. On fait comme ça. C'était un coup de pub au départ, mais c'est surtout pour faire la nique au bon sens. À part la croissance des cornes de Léo, la croissance, finalement, nous... on est assez d'accord avec Gaëtan. Ou aller à pas de bœuf, ça vaut toutes les autoroutes du monde. Oh, la fougère. Hey, Léo. Le reste, ça va. On va revenir. Donner du foin, ça fera diversion. Gad. Bon, on va lui donner la pomme. Tiens, la pomme. Léo. Léo. Dis oh, merci. Oui. C'est pour avoir transporté les bières. J'applaudis, Gaëtan. Il a raison de s'attacher à un animal, d'avoir un langage commun avec lui. Tout le monde n'est pas... Tout le monde n'a pas la fibre pour comprendre tout ça. Ouais, puis d'avoir été au bout de ses rêves. Toi, t'as été au bout de tes rêves, hein? Mais c'est peut-être même pas encore fini. Allez, où? Ça serait compliqué, la vie sur Léo, parce que je vois pas exactement ce que je ferais. Peut-être que je vivrais en autarcie et j'aurais essayé de monter quelque chose comme ça. Une fois que Léo sera plus âgé, s'il sera plus capable de me suivre,
Il faudra le mettre à la retraite. Mais après, on peut imaginer m'adapter un peu. Si c'est un peu plus long, aller un peu plus lentement, quelque chose comme ça. Enfin, on verra d'ici là, en fait. J'espère qu'on a encore des décennies devant nous par rapport à ça.